petit état, je voudrais vous présenter mes respects, monsieur le professeur Titeliot, co-président de cette session, mesdames et messieurs les membres du comité scientifique, mesdames et messieurs, chers panélistes, mesdames et messieurs, chers participants, je suis très heureux de prendre part à la troisième édition du Forum Galien Afrique, rencontre qui a fini de faire une place dans l'agenda africain et mondial. Et je voudrais présenter les excuses de monsieur le ministre Abdoulaye Youssar, ministre de la Santé et de l'Action sociale, que je représente ici. Chers professeurs, je tiens à vous saluer. Nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés. Et nous nous réjouissons également du fait que le forum soit placé sous la présidence de son Excellence, monsieur le président de la République du Sénégal. La crise sanitaire actuelle, qui est liée à la COVID-19, a forcément guidé le choix des thèmes de cette édition, ainsi que le choix du format virtuel de notre rencontre. La pandémie de COVID-19 qui secoue le monde depuis bientôt une année a eu de fâcheuses conséquences sur la vie sociale, économique, culturelle, scientifique dans nos pays. En Afrique, aucun pays n'a été épargné, même si le continent n'a pas enregistré le nombre de cas prédit par certains experts. Il y a des questions qui se posent. Étions-nous bien préparés? Quel a été le niveau de mobilisation des acteurs, notamment des acteurs communautaires? La médecine traditionnelle très présente sur le continent a-t-elle joué un rôle dans la réponse? Quelle a été la place du médicament dans cette lutte et la chaîne d'approvisionnement? A-t-elle réellement fonctionné ou a-t-elle pu assurer la disponibilité des médicaments COVID? Autant de questions qui renvoient aux trois sous-thèmes forts que nous avons retenus dans le cadre de ce panel, à savoir la participation multisectorielle et communautaire, forces, faiblesses et recommandations, la contribution de la médecine traditionnelle dans la riposte contre la COVID-19, état des lieux, défis et perspectives, la chaîne d'approvisionnement des médicaments COVID-19 en Afrique, défis et perspectives. Donc voilà les trois sous-thèmes que nous aurons à aborder. Et au total, nous aurons 10 panélistes qui interviendront successivement et pour 5 minutes chacun, afin d'éclairer sur ces sujets et de partager des expériences. Ils sont tous des experts reconnus dans leur domaine et ont été impliqués dans la riposte à l'épidémie de COVID-19. Et parmi eux, nous avons un ancien patient que nous saluons, ancien ministre de la République du Sénégal, qui avait été atteint par le virus, qui est aujourd'hui guéri et qui va nous faire un témoignage sur comment il a vécu la maladie. Donc, les 9 autres intervenants, je n'aurai pas besoin de les citer tous, donc nous allons y revenir. À la suite de leur communication, nous aurons des discussions pendant 30 minutes et j'ai le plaisir d'assurer la modération de ce panel avec le professeur Diot. Je voudrais à présent introduire le premier intervenant, à savoir Madame Yacine Guibo, qui est la directrice exécutive de Speak of Africa. Madame Guibo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous, chers panélistes, chers participants. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour un peu partager notre perspective par rapport justement à cette participation multisectorielle et aussi cette réponse communautaire. Donc, le Speak Up Africa est une organisation de plaidoyer qui travaille tous les jours pour pouvoir justement s'assurer qu'on a les financements nécessaires en place, les bonnes politiques, mais aussi de pouvoir rassembler toutes les parties prenantes
autour des différentes thématiques sur lesquelles on travaille, notamment la santé et l'assainissement. Et dans ce cadre-là, on travaille vraiment pour pouvoir créer un environnement favorable qui nous permet de pouvoir rallier toutes ces parties prenantes. Et on développe différentes campagnes et différentes coalitions pour pouvoir justement avoir cette appropriation de tous nos partenaires. Et en particulier, je pense qu'au niveau donc, du Sénégal, on avait eu il y a quelques années un exemple probant de ce type d'engagement qui était dans le cadre de la campagne Zéro Palu, je m'engage. Et l'idée derrière cette campagne était vraiment d'avoir une appropriation de tout un chacun de l'élimination du paludisme. Et dans ce cadre-là, il y avait vraiment trois piliers qui étaient l'engagement politique, l'engagement du secteur privé et l'engagement au niveau communautaire. Et aujourd'hui, cette campagne est maintenant donc lancée dans 16 pays à travers toute l'Afrique. Et c'est un exemple vraiment d'une campagne qui a commencé dans un pays au niveau communautaire et qui maintenant se développe partout. Et quand on a eu à regarder vraiment les éléments de succès de cette campagne, c'était vraiment ce mélange entre ce fort engagement politique au plus haut niveau et l'engagement au niveau du pays et au niveau communautaire. Et on a des champions comme Elhaj Diop, qu'on connaît beaucoup de Tienaba, qui a perdu sa fille du paludisme et qui depuis en a fait un grand combat. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de la réponse à la pandémie COVID-19, au niveau de Speak Up Africa, on a mis en place une campagne qui s'appelle Restons prudents pour l'Afrique, Stay Safe Africa, avec différents partenaires, dont la Confédération africaine de football, les partenaires comme Special Olympics, le ministère de l'Éducation nationale et d'autres parties prenantes, pour vraiment voir comment est-ce qu'on pouvait combattre la mésinformation, mais également pouvoir sensibiliser les populations par rapport au bon comportement. Donc, dans le cadre de cette campagne, on a eu à mettre en place plusieurs initiatives, notamment une initiative qui consistait à mettre en place des stations de lavage de mains dans des écoles à travers le Sénégal, mais également de pouvoir capitaliser sur les plateformes et le réseau de la Confédération africaine de football pour pouvoir utiliser justement les influenceurs et les footballeurs pour pouvoir justement porter le message à toutes les populations sur les gestes barrières à adopter et les bons comportements à avoir. Et on a également donc travaillé avec différents partenaires sur l'élaboration de bulletins d'information, de webinaires, pour pouvoir justement avoir des échanges de haut niveau, pour voir quelles étaient les politiques à mettre en place, mais également quels étaient les besoins en matière de financement, comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble dans un cadre pour pouvoir justement répondre de manière concertée à toutes ces questions qui nous étaient posées. Donc vraiment pour nous, au niveau de Speak Up Africa, il est vraiment important de pouvoir rallier justement tous ces différents secteurs et de pouvoir mettre à disposition cette plateforme qui permet justement de le faire. Et peut-être juste un dernier point par rapport aux différents intervenants et participants qu'on engage. On a eu l'opportunité justement lors du pré-forum sur les jeunes de lancer un nouveau prix pour justement les jeunes innovateurs africains autour de la santé, et on l'a fait en partenariat avec IFMA. Et l'idée de ce prix est vraiment de pouvoir encourager l'innovation au niveau des jeunes et de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut travailler avec nos jeunes scientifiques pour pouvoir apporter les réponses aux problèmes qu'on a aujourd'hui pour pouvoir améliorer donc les conditions de vie de nos concitoyens. Donc voilà un peu très sommairement ce que je voulais partager avec vous par rapport à notre réponse dans le cadre donc de cette pandémie COVID-19, en espérant vraiment que nous puissions arriver à sa fin très vite. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Madame Thibault. Maintenant, c'est à moi d'introduire le suivant, et tout d'abord mes hommages à Madame la ministre d'État et aussi pour vous féliciter pour le forum Galien, mais aussi pour avoir les sessions qui ont précédé sur le rôle des femmes et pour dans ce mouvement. Maintenant, c'est un grand honneur et un plaisir pour introduire un des grands anthropologues, sociologues de la santé en Afrique,
le professeur Cheikh Ibrahima Niang, avec qui j'ai travaillé, j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois pour les travaux sur le VIH, SIDA et aussi Ebola et le contexte social et de société. So, monsieur le professeur, vous êtes socio-anthropologue de grande renommée, pas seulement en Afrique, tout le monde vous connaît. Vous avez beaucoup aidé le Sénégal et d'autres pays africains dans leur stratégie pour impliquer les populations et les autres secteurs dans la riposte contre le COVID-19. Pouvez-vous partager avec nous les forces, faiblesses et surtout vos recommandations pour l'avenir, si possible en 5 minutes aussi. La parole est à vous, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Vous êtes... oui. Vous êtes toujours... Si le professeur Nian n'est pas en ligne. Oui, oui, on le voit, je le vois. Allô? Il est, voilà, ok. Allô? Oh, allô, vous m'entendez? Oui, merci. Oui, oui, je vous entends. Vous m'entendez? Ok, oui, merci beaucoup. Fantastique. Oui, merci beaucoup et merci aussi pour ces paroles si élogieuses à mon égard. Je pense que je n'en mérite pas tant. Mais je voudrais. Ma principale contrainte actuellement va être le temps. Comme vous le savez, je suis un peu bavard. Alors, mais je vais essayer d'intervenir autour d'un axe qui me semble relativement philosophique. À savoir que il n'existe aucune épidémie au monde qui puisse être résolue sans l'implication, la participation et la prise en compte de la lutte par les communautés elles-mêmes. Les épidémies se déclarent dans les communautés, elles finissent dans les communautés. Ça veut dire que s'il y a des résistances, si les communautés ne s'approprient pas des réponses, quel que soit le niveau de technicité et d'efficacité, la réponse, ce type de réponse ne réussit pas. Alors, maintenant, ce qui fait que si, pourquoi est-ce que l'Afrique s'en sort avec plus ou moins de bons résultats? Je dirais de prime abord que ce n'est pas lié à hasard et aussi abstraction faite de toutes les explications scientifiques, génétiques et autres qui ont été posées sur lesquelles je ne peux pas intervenir, mais je pars du principe qu'il y a eu des réponses communautaires en Afrique, il y a eu des engagements communautaires en Afrique, il y a eu la reproduction d'une résilience communautaire en Afrique, il y a des milliards de microprocessus qui peuvent expliquer pourquoi nous n'avons pas eu autant de résistances et étant entendu que l'augmentation des résistances développe les conditions de vulnérabilité des communautés, elle développe aussi, elle fragilise aussi les réponses et aboutit à des échecs. Donc, nous allons partir de cela pour dire qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas eu autant de résistances et que les populations se sont appropriées des réponses. C'est un processus que je vais essayer de résumer rapidement. Un, il s'est passé quelque chose avant COVID. L'avant COVID, et à ce niveau, l'OMS Afro a apporté une contribution significative à mon sens, en préparant la communication à l'engagement communautaire. Des travaux, des séances de formation, des activités de renforcement de capacités ont été effectuées en impliquant différents services, une approche multisectorielle, mais l'approche multisectorielle dans le cadre de la préparation des réponses aux épidémies et aux situations d'urgence, cette approche multisectorielle, elle est déjà connue. Qu'est-ce que l'Afrique a fait de manière spécifique qui a abouti au fait que cette approche multisectorielle a pu avancer un peu plus que dans les autres pays ou dans les autres continents? C'est la contextualisation. C'est la contextualisation de cette approche multisectorielle en évoquant
les dimensions culturelles et les dimensions anthropologiques, c'est aussi le fait de pouvoir sortir des dimensions. C'est d'abord la lutte contre l'épidémie, c'est d'abord la mobilisation des ressources culturelles, c'est aussi la mobilisation des rapports de genre, parce que les femmes sont au centre de la production et de la reproduction de la santé, de la fabrique de la santé, ce qui fait donc les réponses qui vont s'articuler, qui vont s'appuyer fortement sur la société, les ressources de la société, sur les femmes et sur les cultures, les ressources culturelles et conceptuelles locales, ces réponses-là ont plus de chances de réussir. Donc, ce qui est venu avant Corona en matière de communication pour l'engagement communautaire, à mon sens, doit être étudié et documenté plus fortement. Deuxièmement, les dynamiques communautaires et les réponses communautaires au niveau des situations d'urgence. C'est-à-dire que quand les premiers cas de transmission communautaire, dans les premiers cas communautaires se sont signalés au Sénégal, ce sont des équipes de sociologues, d'anthropologues et de chercheurs en sciences sociales et en santé publique qui se sont déployés rapidement pour combler le gap des réponses institutionnelles au niveau de la ville de Touba. Ceci amène à formuler la recommandation de former et de doter en capacité des équipes mobiles et rapides de socio-anthropologues qui soient en mesure de suivre la rapidité du déploiement de l'épidémie. Alors, ce travail est lourd de conséquences. Comment ce travail tourne autour de l'écoute? Comment commencer par l'écoute? Souvent, nos communications restent encore trop directives, trop paternalistes, trop autoritaires, et ce qui fait qu'elles génèrent elles-mêmes des réactions de résistance ou des réactions de révolte parce que les communautés se sentent touchées ou blessées dans leur amour propre ou dans leur dignité. Ce travail est fondamental en Afrique. Heureusement, je pense que pour ce cas COVID, très tôt, les responsables chargés de la communication ont pris la mesure de cette dimension sociale et anthropologique et culturelle qui est extrêmement importante et l'ont intégrée dans les discours. Il permet aussi de faire un travail de fourmi. Il a permis de faire un travail de fourmi pour voir où se situe la vulnérabilité. C'est dans quel espace, quelles sont les niches de vulnérabilité qu'il faut saisir et en fin de compte, comment se font les prises de décision au niveau communautaire. Là, les dimensions religieuses qui sont extrêmement importantes, les dimensions associatives qui sont extrêmement importantes, les réseaux communautaires de jeunes, de femmes qui vont être extrêmement importants, par quelles vont être les portes d'entrée. Comment les toucher, comment les écouter, comment co-construire avec elles des stratégies de réponse. Et je crois que tous ces éléments-là ont joué un rôle extrêmement important dans la démédicalisation de la réponse et dans le fait de donner à la réponse un visage plus humain. C'est aussi dans cette perspective-là, dans les réponses d'urgence, dans les réponses de première main, les réponses où les premiers cas se présentent, nous avons une urgence, c'est dans ce sens-là aussi que tout ce travail de stigmatisation, d'écoute de ceux qui souffrent et de partage de l'humain et de l'empathie, comment cela est exprimé dans des formes culturelles et dans des expressions culturellement acceptables, ceci va permettre d'endiguer et de faire face à l'épidémie. Deuxième axe extrêmement important, toujours dans ce qu'il faut retenir par rapport à cette expérience, c'est la recherche formative. Il n'y a pas d'engagement communautaire. Il n'y a pas de communication sans une recherche formative, sans une recherche continue, une recherche continue dans les sciences sociales. C'est ce que nous appelons habituellement la recherche-action. C'est-à-dire c'est un schéma de recherche qui sort de la recherche académique classique, qui sort des schémas classiques, des schémas de méthodologie classique pour articuler très étroitement la recherche et l'action communautaire. Alors, à ce niveau-là aussi, des expériences intéressantes ont été tentées à Dakar, ont été effectuées à Dakar, et nous en sommes sortis avec de nouvelles cartographies participatives et communautaires de la vulnérabilité, des cartographies des acteurs et des initiatives locales et des cadres d'écoute, de concertation et de co-construction au niveau du district avec l'ensemble des leaders communautaires et l'ensemble des réseaux, y compris des réseaux
subversif, c'est-à-dire au subversif dans le sens qui remet en cause les réseaux de critique. Comment est-ce que vous allez mettre cette complexité en mouvement pour que la société puisse se reconnaître dans une réflexion collective et dans des décisions collectives. Donc, cette recherche formative doit être documentée. On va devoir accélérer. Enfin, oui, je vais accélérer. Enfin, cette expérience sénégalaise montre la naissance de nouveaux paradigmes en matière de formation. Les formations classiques, où vous avez tout un schéma qui prend des jours et des semaines, etc. Comment tout cela, et qui répète souvent, c'est très redondant, souvent qui répète les choses que la communauté connaît déjà, comment changer ces formations par des formations plus actives où on part de ce que la communauté connaît déjà et quelles sont ses préoccupations en matière d'acquisition de connaissances. Formation sur une journée, formation à la carte, formation accélérée qui a permis de former 100, plus d'une centaine de volontaires, d'étudiants volontaires en sciences sociales, plus de 1200 encadreurs encadreurs dans les districts et plus de 12 000 volontaires dans les districts qui viennent apprendre, qui viennent écouter, co-construire, évaluer et suivre les réponses qui sont effectuées au niveau des communautés parce que les batailles se situent au niveau du cœur et de l'esprit. Alors, ma matière, deux mots pour les faiblesses. Quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qu'il faut recommander? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un lien entre le virus et l'écologie, mais je n'entre pas dans ces considérations. Mais je sais simplement que quand le froid, la saison du froid s'installe, ou bien la saison chaude, la saison pluvieuse dans d'autres coins de l'Afrique, dans d'autres endroits de l'Afrique, ça induit un changement de comportement. Alors ce changement de comportement, il peut constituer des niches de vulnérabilité par rapport à l'épidémie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au changement de comportement qui est associé au changement de écologique, au changement de la météo, au changement du temps. Alors, toute la situation de indoor, qu'est-ce qu'on fait dans les concessions, qu'est-ce qu'on fait dans les maisons, qu'est-ce qu'on fait dans les chambres, qu'est-ce qu'on fait dans les salons pour regarder la télé, pour regarder pour passer le temps parce qu'il est désagréable dehors, qu'est-ce qu'on fait et quelle est la culture qui sous-tend ce qu'on fait par rapport à ce niveau-là. Là aussi, il y a un certain nombre de réponses qu'il faut traduire, d'études, de résultats de recherche, qu'il faut traduire en recommandations précises et investir l'action à ce niveau. Toute écologie est culturelle, cette écologie est interne et culturelle. Il faut voir, et dans cette relation écologique culturelle, il y a aussi une écologie sociale. La femme, on revient encore à cette femme, c'est elle qui va être gardienne de la fabrique et de la préservation de la santé quand le temps change. Alors, le temps est en train de changer, qu'est-ce qu'il faut outiller au niveau communautaire pour que les femmes prennent le leadership, des réponses pour faire face à cette deuxième vague. Parce que la deuxième vague est déjà là. Une vague épidémique, elle est une vague pandémique. Peu importe qu'elle se situe aux États-Unis ou ailleurs, c'est une vague pandémique pour l'Afrique ou pour des pays qui pourraient être à risque. Les structures. Deuxièmement, nous avons appris que les structures de santé elles-mêmes sont génératrices de stigmas et de stigmatisation. Comment introduire des changements philosophiques, conceptuels et des changements structurels pour réduire la stigmatisation dans les systèmes de santé, pour développer l'empathie, la reconnaissance de l'autre, les rapports égalitaires, parce que ces concepts, il y a des concepts africains qui sont très importants ici, Ngor, par exemple, en Wolof, respecter la dignité de l'autre, que l'autre ressente, c'est dans l'ordre du ressenti, ressente qu'on est en train de respecter sa dignité, je crois que ça nous permettra de faire face à la décrédibilisation des structures de santé, d'une part, et de l'autre côté, à leur engorgement, parce qu'il y a trop de malades. Par rapport à tout cela aussi, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau domestique par rapport à l'accompagnement, par rapport à la prise en charge des malades? Cette préparation, qui est aussi une préparation sociale et culturelle sur laquelle l'expérience du Sénégal permet de tirer un certain nombre de leçons qu'il faut réactualiser. Alors, mais le gros problème qui va se poser, c'est celui du vaccin. Le vaccin, c'est aussi un objet culturel. C'est aussi un produit culturel. Le vaccin va être confronté à une culture, à une histoire, à un patrimoine, à des enjeux. Nous sommes dans un contexte d'enjeux politiques extrêmement importants. On dit qu'il y a un dicton qui dit que
quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre. Eh bien, quand le contexte politique est chargé, quand il n'y a pas une dépolitisation, quand il y a le danger de récupération politique au niveau des réponses communautaires, eh bien, la recherche en sciences sociales se retire. C'est elle qui en pâtit, c'est la crédibilité de l'engagement communautaire qui en pâtit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Pour poser davantage d'écoute, pour poser davantage avancer le concept de sacerdoce, d'empathie, de sacrifice au niveau politique. Le professeur, est-ce que vous voulez bien... Parce que, je vais arriver, le niveau politique et économique, parce qu'il faut lutter contre Corona Business. La lutte contre Corona Business et les représentations de Corona Business font partie de la garantie du succès des réponses. Et à partir de ce moment, toutes les questions concernant les recommandations par rapport à la transparence de la gestion, par rapport au contrôle des communautés, par rapport à la continuité de cela, parce qu'en fait, c'est la participation de l'État à l'engagement communautaire qui doit être sous le leadership des communautés. Bien, voilà, de manière très ramassée, quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous. Je me mets à votre disposition par rapport au débat et aux questions que vous ne manquerez certainement pas de poser. Merci. Merci beaucoup, professeur. C'est intéressant. Malheureusement, il nous faut suspendre pour bien gérer le temps. Je voudrais à présent introduire le professeur Francis Omassoir. Professeur, vous êtes directeur exécutif du Centre africain pour la santé mondiale et la transformation sociale. Vous êtes également lauréat du prix Noguchi 2019. Je voudrais vous féliciter pour cette distinction. Mais professeur, quel a été le rôle de votre institution en Ouganda dans le renforcement de la participation multisectorielle et communautaire dans la riposte contre la COVID-19? Professeur, vous avez la parole. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Il pleut énormément ici. J'espère que vous allez pouvoir suivre mon exposé. C'est un plaisir pour moi de rencontrer des anciens collègues. Peter Diop et également Cheikh Ibrahima. Je vais très rapidement vous faire part de notre expérience ici en Ouganda en ce qui concerne le rôle de l'engagement de la communauté dans notre réaction à la COVID. Nous ne recevons pas le son de l'orateur. Je vais vous parler un tout petit peu de la santé. Vous êtes déjà familier de cette thématique. Je vais passer le clair de mon intervention à vous présenter notre stratégie en Ouganda et faire des propositions sur ce que la Cour, l'Afrique peut tirer de l'expérience ougandaise. Ce message vous est familier. Il y a les concepts de santé, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il ne s'agit pas ici uniquement de la maladie. Il s'agit du bien-être. Il s'agit de la sécurité sociale, de la sécurité, la paix d'esprit. Ce message ne mérite pas que je m'y attarde. Voici donc le message sur lequel se fonde notre stratégie. Je tire ce message de mon ancienne école. Les peuples doivent avoir des pouvoirs, des devoirs, doivent être accompagnés pour jouer leur rôle en matière de santé, en mettant à contribution les ressources disponibles. Comme je l'ai dit, voici une citation qui date de plusieurs années. C'est
c'est une citation de notre directeur général du ministère de la Santé à l'époque, en 2000, et il a dit que la santé est créée à la maison et non dans les structures de santé. Donc, il revient donc aux populations de s'assurer qu'elles respectent les règles d'hygiène. D'où l'importance du rôle des communautés. Voici donc un message important qu'il faut garder à l'esprit. Nous sommes tous, ou plus la plupart, nés en bonne santé. On nous a parlé de l'environnement interne qui est bien réglementé pour que si vous obéissez à votre corps, vous devriez pouvoir vivre sans avoir besoin de soins de santé pendant une longue période de temps. Et ce message doit parvenir aux populations, parvenir à tout le monde, et c'est le fondement des objectifs de développement. Les individus et les systèmes de santé doivent travailler de concert avec le gouvernement. Les individus doivent maintenir leur santé et celle de leur famille. Les systèmes sanitaires leur donnent les connaissances nécessaires pour avoir un comportement approprié. Le gouvernement approvisionne en eau, en électricité et facilite le logement pour que les gens puissent travailler. Rappelez-vous que tout commence par l'individu qui a la responsabilité primaire de sa santé. À mon sens, l'engagement de la communauté est quelque chose que nous ne prenons pas au sérieux. Nous savons que c'est important, mais nous ne faisons pas grand-chose dans ce sens. Nous donnons des leçons aux populations, lavez votre main, observez la distanciation sociale, mais on ne leur pose pas des questions concernant les défis rencontrés. D'où obtiendront-ils l'eau, le savon pour se laver les mains? Les personnes auxquelles nous donnons les leçons, nous leur disons ce qu'ils doivent faire et on ne peut leur dire pas ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Toutes les questions soulevées en Afrique, notamment le confinement, la violence domestique, etc. Tout cela est important. Nous devons travailler avec les gens et non leur donner des leçons sur des questions qu'ils peuvent eux-mêmes gérer. Et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. L'Union africaine a adopté des stratégies visant les communautés. Dr. Tendros a toujours dit que notre travail est axé sur les populations. Et nous visons la couverture sanitaire universelle. Le professeur William Well du Kenya dit que si le développement n'arrive pas dans les communautés africaines, il ne pourra pas être possible dans les nations africaines. Oui, elle l'a dit dans un document que j'ai édité. Et l'Afrique doit s'approprier son avenir, chapitre 8. Certes, personne ne rejette cela, mais nous ne faisons pas assez. Et c'est à ce niveau que réside le problème. C'est de cela que nous allons parler. En Ouganda, nous sommes à la phase 4 de la COVID. La COVID est présente dans la communauté. Il n'y a pas suffisamment de dépistage. Mais nous n'avons pas une bonne idée de la situation, mais nous savons que le virus existe et nous savons que les gens, le public contracte le virus et en meurt. Nous savons que les structures sanitaires sont très sollicitées à cause du nombre élevé de malades. La communauté doit pouvoir gérer la prévention et se prendre en charge. Cette stratégie a été élaboré sous la direction du président de l'Ouganda lui-même. Voici donc les principaux éléments de cette stratégie. L'objectif principal, c'est de permettre à toutes les personnes de l'Ouganda d'être sensibilisées
et de participer eux-mêmes dans la lutte contre la COVID-19 comme un devoir et un droit, mais les systèmes de gestion doivent mettre à profit les ressources disponibles parce que nous n'avons pas le temps à perdre. Et le principe directeur est qu'il faut capaciter les individus et les communautés. La bonne santé commence par les individus. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas m'y attarder. Oui, et ces personnes peuvent être appuyées lorsque cela est nécessaire par les professionnels de la santé et le matériel sanitaire. Mais la responsabilité primaire revient aux individus dans les communautés. Notre stratégie consiste à mettre à profit les systèmes existants, les structures qui existent déjà. Je vais vous les montrer sous peu. Cela devrait permettre de réduire les infections et identifier et diagnostiquer les malades à un stade précoce pour que la maladie ne se répande pas au-delà de la communauté. Nous recommandons une collaboration intersecteur, une approche axée sur la société et comme vous le verrez sous peu, les structures que nous avons créées sont multisectorielles parce qu'il s'agit de savoir où et comment les populations vivent. Nous faisons intervenir les principaux responsables de l'État et cela a permis d'adopter un système de santé axé sur les populations doté de ressources financières énormes. Voilà donc le lien qui existe entre l'engagement de la communauté et le système de gouvernement en Ouganda. À la base, il y a une structure qu'on appelle les mairies au niveau où il y a des communautés gérées par des présidents qui sont élus. Il y a un secrétaire pour les femmes et les enfants, secrétaire pour la sécurité, secrétaire pour la production et l'agriculture, etc. Il y a également ce qu'on appelle les chefs de village qui sont en fait des agents communautaires, qui sont des volontaires qui reçoivent des financements de temps en temps lorsque cela est possible. Voilà donc les obligations et les structures que nous avons intégrées dans notre stratégie. Le village de Debré aura un groupe de travail sur la COVID qui sera dirigé par le dirigeant politique du village et qui devrait associer les individus pertinents ainsi que les autres secteurs, les dirigeants religieux, culturels et les représentants des écoles. Si une école s'y trouve, ainsi que les établissements sanitaires, sans oublier les organisations de la société civile et le secteur privé. Et notre rôle est de mener une surveillance axée sur la communauté, le suivi des contacts, le suivi des personnes vulnérables et, en fin de compte, maintenir un registre de santé du village. Et toutes les informations sont consignées dans un registre. Est-ce que le malade a une tension artérielle? Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce qu'il suit le family planning? Est-ce qu'elle est enceinte? Toutes ces informations sont consignées dans un registre par l'agent de santé communautaire qui bénéficie d'une facilitation sous forme de soutien financier, je crois, à l'équivalent de $30 des États-Unis. Tout ceci a été mis en place parce que, avant la COVID, mon organisation c'était HS, nous avons commencé dans 7 pays africains et nous avons commencé une collaboration en matière de SCD. Et nous avons commencé que c'est la clé pour réaliser les objectifs du millénaire. Et professeur, on va accélérer. Allez vite. Je suis pratiquement à la fin.
Yeah, okay, go ahead, please. Oui, allez-y, allez-y. Ce que je vous dis se passe dans les villages ici en Ouganda. Il y a également la mise à profit des facilitateurs. Voilà donc les résultats que vous pouvez constater de vous-même. Il y a un an, en septembre de l'année dernière et en septembre dernier, vous voyez les améliorations obtenues du fait de ces interventions uniquement. Voici donc les résultats escomptés, la mobilisation de la communauté, l'appropriation. Et il y a également des conflits dans les pays, dans les villages, des conflits fonciers, d'autres problèmes. Ces mêmes personnes sont celles qui sont chargées de résoudre ces problèmes. Cela permet d'établir une stabilité. Un village a appelé son programme paix. Qu'en est-il de l'Afrique? Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique? À mon sens, la principale chose à faire pour réaliser les objectifs du millénaire, c'est d'intégrer les communautés et les capacités des communautés et les communautés axées sur les populations en matière de santé. Il ne s'agit pas simplement des agents communautaires de santé, mais des communautés, des services communautaires qui sont dirigés par la société, y compris les gouverneurs, les gouvernants. Et cela peut également permettre d'améliorer les résultats et élaborer des normes pour chaque système de santé et permettre d'obtenir des données et renforcer la gouvernance en matière de gestion financière et des ressources humaines. Nous savons tout cela. Le problème, c'est que nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Oui, la COVID existe, effectivement, et mon message est d'inspirer chacun d'entre nous où que nous nous trouvons pour faire quelque chose à titre personnel ici en Ouganda. Je suis président de la stratégie nationale communautaire de lutte contre la COVID. Voilà donc ma contribution. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie infiniment, Francis, de nous avoir fait part de votre très riche expérience. Nous vous félicitons une fois de plus. Et malheureusement, je n'ai pas pu être là-bas l'année dernière en raison de la situation qui prévalait. Nous allons donc à l'avenir essayer de mettre en œuvre ce que vous venez de dire. Ce qu'ont dit aussi bien le professeur Nyang que le professeur Omaswa, et c'est-à-dire que l'engagement des personnes qui ont vécu ou qui vivent avec le COVID sera extrêmement important. Comme pas mal de participants, je viens aussi du mouvement VIH-SIDA où les personnes vivant avec le VIH ont vraiment un rôle important. Donc c'est avec un immense plaisir que je voudrais introduire M. Baba Wone, ancien ministre de la Culture du Sénégal, qui a souffert de la COVID-19. Comme moi d'ailleurs, et ça fait des mois que j'ai eu besoin pour récupérer. Et on est, heureusement, votre évolution a été favorable après une hospitalisation en soins intensifs pendant près de 3 semaines. Pouvez-vous partager avec nous votre ressenti et quelles recommandations vous pouvez faire à l'endroit des décideurs, la population en général, et surtout au sujet à risque, si possible, en 5 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. La parole est à vous. Monsieur le ministre, votre micro est fermé. Votre micro est fermé. Bonjour. Là, vous m'entendez? Oui, monsieur le ministre. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Excusez-moi. Donc, bonjour à tous. Je voudrais d'abord rendre un hommage au professeur Abba Marie Kolsek et au professeur Ibrahima Seck, à qui je dois
de participer à cette session au milieu de d'éminentes personnalités. Je vais essayer de surmonter mon intimidation pour vous faire part de ma petite expérience de malade du COVID. La première des choses que je voudrais dire, c'est que cela vous arrive au moment où vous y attendez le moins. Je faisais partie des COVID-sceptiques avant d'avoir contracté la maladie. J'avais pris, comme tout le monde, toutes les précautions nécessaires, lavage des mains à la porte, port du masque. Et un jour, je me suis retrouvé dans une cérémonie familiale, d'où manifestement j'ai contracté le virus, ce qui a été confirmé parce que 3 autres cas ont été détectés dans la même famille et dans de telles circonstances. Mon COVID a été détecté au départ parce que j'ai eu deux évanouissements successifs. Suite à ces deux évanouissements successifs, j'ai été conduit d'abord chez un cardiologue pour voir pourquoi ces évanouissements survenaient. On a pensé à une arythmie cardiaque. Et vu que deux évanouissements successifs s'étaient produits, on voulait coûte que coûte éviter un troisième évanouissement qui aurait pu être risqué, voire fatal. On a décidé de me poser un pacemaker. C'est au cours des analyses préopératoires que le radiologue a distingué dans mes poumons des traces qui ne lui disaient pas des choses rassurantes. On a décidé de me tester au COVID et il s'est avéré que j'étais positif. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai basculé de l'univers des malades normaux à ces malades exceptionnels et j'ai été pris en charge par le centre de traitement de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Et c'est pour moi là l'occasion d'abord de saluer le professionnalisme de toute la chaîne médicale sénégalaise qui a fait preuve non seulement de célérité, mais aussi d'engagement et d'imagination et de solidarité entre différents métiers. Parce qu'à la base, je suis diabétique, j'ai 64 ans, j'ai quelques petits problèmes cardiaques et je ne suis pas un très grand sportif, ou je ne l'étais pas. Maintenant, j'ai changé de rythme de vie. Donc, j'étais, je pense, un sujet à risque. Quand on m'a installé à l'hôpital Le Dantec dans les conditions presque parfaites, j'ai été pris en charge par le centre et les traitements ont commencé. Mais paradoxalement, c'est au moment où les traitements ont commencé que je me suis vraiment senti vraiment malade. C'est à ce moment-là que mes poumons étaient, je pense, atteints. Et mes difficultés respiratoires aidant, j'allais vers pratiquement une certaine forme d'asphyxie pendant 2-3 jours. Et c'est à la sagacité des médecins que j'ai dû petit à petit de rebroucher chemin. Mais pendant quelques jours, j'ai été dans un état particulièrement difficile, jusqu'à ce que l'on me mette même les bouteilles d'oxygène. Parce qu'il fallait à la fois gérer mon état de malade du COVID, faire attention aux corticoïdes qu'on me mettait à cause de mon diabète, parce que mon diabète se déséquilibrait à force de surdose de corticoïdes. Et en même temps, tout cela était accompagné d'un fort amaigrissement et il fallait, eux savaient exactement ce qu'il fallait faire pour équilibrer tout ça. Alors, donc moi, j'ai dû, donc, le diabète, j'ai fait face à la pneumologie, j'ai fait face à la cardiologie et à la fin, j'ai fini à la kinésithérapie respiratoire parce qu'effectivement, après tous ces traitements, il fallait que je réapprenne à respirer, à parler, parce que je parlais très difficilement pour dire que je marmonnais. J'avais aussi des difficultés à marcher, il m'a fallu réapprendre à marcher et la convalescence qui s'est passée chez moi cette fois-ci, parce que
Au bout de 3 semaines, j'ai été déclaré guéri, mais même déclaré guéri, je suis rentré chez moi dans une ambulance et je ne pouvais pas me déplacer de ma chambre à la toilette parce que je ne savais pas encore marcher comme il le faut. Ce que je peux dire, donc, c'est que la maladie est réelle. Parce que quand je disais au début, je faisais partie des COVID-sceptiques, je faisais partie, comme tout le monde, des gens qui disent « Oh là là, c'est une maladie fabriquée en Chine pour nous terroriser ». Non, c'est une maladie qui physiquement existe, qui fait très mal et qui, si elle n'est pas prise en charge assez tôt, peut aller vers des issues catastrophiques. Ça, c'est le premier message que je peux lancer à toute personne n'ayant pas encore contracté cette maladie. L'autre message qu'il est peut-être possible de lancer, c'est une erreur collective de communication que les autorités à la fois politiques et sociales ont faite au début de la pandémie, tant au niveau international qu'au niveau national. On a joué sur la peur des gens, or la peur a des limites. Et au-delà d'une certaine limite, la peur se transforme en témérité, au point où les gens sur lesquels on pouvait compter que la peur pouvait les encourager à reculer, se disaient, bon, ben, au point où on en est, et puisqu'il n'y a pas de solution, on meurt toujours de quelque chose, on s'en fout, on continue à vivre quand même. Et c'est cette distorsion dans la communication, me semble-t-il, qu'il faut corriger pour que les populations comprennent qu'il ne s'agit pas de faire peur pour faire peur, mais que cette information était nécessaire pour que les gens prennent la mesure de cette pandémie. Ensuite, je pense qu'il y a aussi, tout à l'heure le professeur Nian le disait un peu dans son intervention, qu'il y a des enjeux politiques, financiers, que le bas peuple ne comprend pas et peut mal interpréter. Il y a là aussi une pédagogie de l'information à mettre en place pour montrer que, bon, ben, évidemment, tout a un coût dans ce monde-là, mais que la vie n'a pas de prix. Il faut peut-être apprendre aux gens à mieux comprendre les mécanismes mondiaux de fonctionnement et à mieux accepter, à payer le prix qu'il faut pour vivre mieux. Alors, la petite leçon que j'ai tirée, moi, personnellement, c'est qu'il faut apprendre à vivre sainement, prendre conscience du temps qui passe. À 64 ans, je suis de ceux qui ont changé totalement leur façon de vivre. Je fais beaucoup plus d'exercices, je mange mieux en privilégiant des nourritures beaucoup plus healthy, comme diraient les anglophones, en privilégiant la nourriture de qualité au lieu de la quantité, en privilégiant les longues marches pour m'aérer et en regardant la vie avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus d'amour pour la famille, surtout. J'ai surtout su que la famille était essentielle parce que dans ces moments du Covid, tout le monde vous fuit. Parce que vous vous rendez compte que vous avez moins d'amis que vous ne pensiez, parce que tout le monde, à cause de la stigmatisation, d'une manière ou d'une autre, prend de la distance. Et là, c'est vos proches qui sont présents, qui vous encouragent et qui sont prêts à partager tout avec un grand T avec vous. Voilà, c'est ma petite expérience. Je ne voulais pas prendre plus de minutes que ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ce témoignage fort, éloquent. Je vous présente aussi mes respects. Merci également pour les recommandations fort utiles. Nous les avons bien notées, mais aussi pour les messages destinés aux populations, afin qu'elles puissent se prémunir. Donc, c'est cette dernière intervention, cette quatrième intervention plutôt, qui met fin au premier sous-thème consacré à la participation multisectorielle et communautaire, forces, faiblesses et recommandations. Nous pouvons donc aborder le deuxième sous-thème relatif à la contribution de la médecine traditionnelle dans la riposte contre la COVID-19, état des lieux, défis et perspectives. Donc, 3 professeurs devront intervenir. Je commence par le professeur Rokaya Sanogo, chef du département de la médecine traditionnelle de l'Institut national en santé publique du Mali,
et vice-présidente du comité consultatif de la médecine traditionnelle pour l'Organisation mondiale de la santé. Professeur, pouvez-vous nous faire le point sur les avancées de cette médecine traditionnelle dans le cadre de la production thérapeutique ou préventive dans le contexte de la COVID-19? Et s'il vous plaît, en 5 minutes. Professeur, vous avez la parole. Merci. Je vous remercie pour cette question et je remercie l'équipe du Forum Galien Afrique de nous avoir associés à cela. Et je voulais féliciter le professeur Awakol Seck et mon cher maître professeur Emmanuel Bassène avec lequel je dois intervenir et le professeur Alain. Et comme vice-présidente du comité des experts de l'OMS pour la médecine traditionnelle dans la riposte, ça m'a fait plaisir d'écouter le professeur Nyang qui dit qu'il faut être à l'écoute de la communauté. Et je crois qu'il est très important. L'écoute de la communauté va nous apporter des éléments de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Et c'est dans ce cadre que nous avons salué la mise en place de ce comité des experts au niveau de l'OMS. Et ce comité a été une occasion de créer un lien entre le terrain et l'OMS. Parce qu'il y a de nombreuses expériences dans nos pays et qui n'ont pas toujours de la visibilité. Donc, quand il y a eu ce comité, les premières activités qui ont été menées, c'était de faire le bilan des différentes études qui sont en cours sur la médecine traditionnelle. C'est l'adoption d'une feuille de route et c'est également l'adoption des différents protocoles qui vont nous permettre d'évaluer l'efficacité, l'innocuité et la qualité des produits issus de la pharmacopée. Ensuite, il y a eu un partage d'expérience des pays. L'approche que les pays ont utilisée, c'était de faire recours à un certain nombre de produits de préparation issus des pharmacopées qui sont déjà utilisés dans la lutte contre les maladies et surtout les maladies virales. Donc, c'est ainsi que nous avons vu une grande mobilisation communautaire des tradipraticiens de santé en collaboration avec les centres de recherche sur la médecine traditionnelle, les départements médecine traditionnelle, les universités. C'est ainsi que nous avons commencé à faire un répertoire de plantes qui peuvent avoir des propriétés antivirales, propriétés immunostimulantes, mais des plantes qui peuvent intervenir dans la prise en charge d'un certain nombre de symptômes associés à la COVID-19, notamment les inflammations, mais également la toux, les difficultés respiratoires. C'est ainsi qu'un certain nombre de médicaments qu'on appelle médicaments traditionnels améliorés ont été mis au point pour soumettre à des investigations. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à travers l'Afrique, ce que l'OMS a recensé, le secrétariat de notre comité avec l'OMS, a recensé qu'aujourd'hui, il existe des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 à travers l'Afrique et aussi des études d'observation. 8 pays en Afrique aujourd'hui sont en train de faire des essais cliniques de phase 1 sur des produits issus de la pharmacopée, 2
sont en train de faire des essais d'observation et 8 sont en train de mener des essais de phase 2. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est l'OMS a fait un répertoire des travaux qui sont en cours en la matière. Et donc, et pour cela, maintenant, au début de la COVID, tout le monde a écouté certainement l'expérience de ces patients qui ont eu un résultat positif avec un produit qu'on appelle apivirine et qui a été fait au niveau, qui est fait au niveau du Bénin, déjà utilisé dans la prise en charge du VIH. Et il y a eu un certain nombre de protocoles dans l'Afrique de l'Ouest pour essayer de voir l'étude de cela. Au niveau du Mali, par exemple, nous avons proposé, et on a proposé des tisanes qui sont déjà utilisées dans l'hépatite virale et tisanes qui réclament des vertus thérapeutiques pour les propriétés antivirales déjà validées sur l'hépatite, le renforcement du système immunitaire, une tisane qui a les propriétés antitussives, bronchodilatatrices, anti-inflammatoires et antioxydantes. Également au niveau du Mali, nous avons mis à la disposition des centres de prise en charge de la COVID un sirop qu'on appelle le sirop Balembo, qui est issu de la pharmacopée que nous avons proposée pour la prise en charge de la toux sèche associée à la COVID. Donc, quand on regarde avec le meeting que le comité a eu à faire en octobre, nous trouvons qu'il y a un certain nombre de résultats encourageants pour les premiers essais. Et l'OMS, dans le cadre du comité, est en train de préparer pour faire des essais multicentriques avec des produits, un certain nombre de produits, dont le COVID organique, mais également d'autres produits. Donc, ici, moi, je voulais dire qu'il est important de tenir compte des deux aspects. Le niveau communication des tradipraticiens pour la sensibilisation, l'information et l'orientation, mais également l'offre de soins, des tisanes qui sont proposées. Il y a beaucoup de patients COVID qui ne vont pas dans nos centres de santé parce que vous avez parlé au début de la stigmatisation. Donc, il s'agit pour nous aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse documenter le recours des populations aux tisanes aux préparations issues de la pharmacopée. Donc, en perspective, nous pensons et également un autre élément de réflexion que nous devons faire, en quoi la pharmacopée et la médecine traditionnelle, en quoi les tisanes proposées par les tradipraticiens ou de l'expérience même des populations, en quoi ces tisanes ont contribué à limiter la propagation au sein communautaire. Ça, c'est un point sur lequel nous devons discuter. En perspective, moi, je crois qu'il est important aujourd'hui d'allouer des fonds spécifiques aux institutions de recherche et aux centres qui travaillent sur la médecine traditionnelle pour renforcer la recherche et le développement pour valider l'utilisation des tisanes ou de d'autres formes d'utilisation pour compléter les investigations qui sont en cours. En termes de recommandations, nous pensons aujourd'hui que cette pandémie est une opportunité que nous devons vaincre. Mais pour vaincre cela, il va falloir que l'Afrique puise dans ses ressources. Parce que la pharmacopée, la médecine traditionnelle, fait partie du patrimoine africain. Moi, j'ai dit, le professeur Nyang a dit également, les réponses culturelles et la médecine traditionnelle est notre patrimoine culturel et je crois que nous devons y faire recours pour la santé et pour l'avenir parce que nous devons faire en sorte que désormais, l'Afrique institue des programmes durables, pas circonstanciels, pas événementiels, des programmes durables et je crois que l'OMS Afro et
l'Union africaine, avec la mise en place de ce comité, pourront instituer ce programme durable. Et je crois que le Forum Galien Afrique, qui a institué de parler de la médecine traditionnelle de la pharmacopée, ensemble, je crois que nous pourrons instituer cela pour que les ressources de la pharmacopée et la médecine traditionnelle puissent contribuer à lutter contre les maladies émergentes et réémergentes, mais que l'Afrique apporte sa solution pour la couverture, une couverture sanitaire. C'est ce que je voulais dire et aux échanges. Merci. Un grand merci, professeur Sanogo, pour cette dimension différente de ce qu'on vient de parler. Et maintenant, la parole est au professeur Emmanuel Bassen, qui est agrégé de pharmacognosie et chef de la division de médecine traditionnelle au ministère de la Santé et de l'Action sociale au Sénégal. Et selon la même ligne, pouvez-vous nous faire le point sur la contribution de la médecine traditionnelle dans la prise en charge des patients atteints de COVID-19 au Sénégal et les défis que vous avez dû relever jusqu'ici, 5 minutes. Merci beaucoup, professeur Bassin. Merci, monsieur le professeur Piot. Je voudrais saluer d'abord tous les collègues qui sont présents, et également saluer monsieur le représentant du ministre de la Santé du Sénégal, monsieur Mbeng. À la suite de mes collègues, je voudrais donc participer à la réflexion. Je voudrais d'abord dire que les systèmes en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest, étaient déjà plus ou moins préparés à cette pandémie, puisque les systèmes sont dotés de structures déjà projetées dans la communauté à travers le service de prévention du ministère de la Santé, qui a été tardivement actionné pour renforcer cette vigilance au niveau frontalier et également au niveau communautaire. Les communautés également sont organisées, il y a les Bayenogor, donc tout ce système était déjà plus ou moins préparé, bien sûr, à cette éventuelle nouvelle maladie. Et évidemment, comme c'est par surprise, eh bien, il a fallu adapter donc cette vigilance déjà qui est là, cette résilience adaptée à ce COVID-19. Alors, je vais abonder dans le sens du professeur Nia, mais également du professeur Omaswa pour dire en anglais, health is made at home. Alors, la peur sur laquelle on a misé avec le confinement et puis état d'urgence, etc., donc s'est avéré peu payant. Et finalement, rassurer les gens en leur faisant, leur permettant d'entrevoir une issue à travers même ceux qu'ils ont comme patrimoine était peut-être plus payant. Alors, donc, parce que la communauté tout de même avait quelques armes, bon. Nous pensons quand même que l'Afrique étant un continent sous-médicalisé, confronté aux attaques multiples de microbes et de virus, parce que vous vous doutez bien que chaque vague de grippe qui sévit en Europe pendant le froid,
retentit ici, surtout à Dakar. Donc tout ça pour dire que le COVID était déjà là avant même certainement qu'on oppresse l'alerte. Donc cette résilience intrinsèque a certainement joué. Alors bien sûr, il vient s'ajouter, comme je l'ai dit, que le système avait déjà des outils pour y répondre. Alors au niveau du Sénégal, il y a eu très tôt une mobilisation avec la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle, mais également avec des acteurs communautaires des villes, des grandes villes comme les Badianogor qui ont été créés dans les années 2000. Tout ça a permis de divulguer, de vulgariser très rapidement au sein de la communauté le respect de la distanciation, les gestes barrières, le port du masque qui est venu après. Le masque était cher au début, mais après, quand même, les gens ont porté leur masque. La limitation des déplacements, également des réunions, tout ça a été donc porté au niveau de la communauté grâce à ces tradipraticiens. Alors, je ne voudrais pas être long parce qu'en fait, la participation à la médecine traditionnelle a été faite sans tambour ni trompette, puisqu'on n'a aucun élément d'ailleurs pour l'évaluer. On doit se douter que les cas qui ne sont pas venus à l'hôpital ont été tués dans l'œuf par le comportement, enfin, par des actions communautaires, par des tisanes, par en tout cas tout ce qui peut aider notre corps à se défendre ou à lutter contre les affections. C'est plutôt en perspective que nous allons donc parler. Alors, je pense que comme l'ont dit certains, il faudrait qu'on systématise un peu ce que l'OMS recommande très souvent, c'est-à-dire aller vers une exploitation de nos ressources et de nos capacités. Ceci avec nos partenaires, donc parce que développer les plantes médicinales, c'est l'avenir de tout le monde. Parce que je ne conçois pas qu'on prenne, par exemple, de l'artémisinine ou son dérivé et qu'on dise que Artemisia annua, la plante, est à éviter. Donc, il faut peut-être dire le message autrement pour permettre aux gens, disons, de mieux croire au message qu'on leur donne, qu'on leur délivre. Donc, c'est plutôt donc systématiser, le professeur Roquet l'a dit tout à l'heure, les essais cliniques, les essais précliniques sont déjà pratiqués à force, mais n'ont pas été véritablement, reconnus à travers des documents, à travers une politique affirmée sur l'utilisation des plantes médicinales et également sur la médecine traditionnelle. Parce qu'il faudra qu'on mène les deux ensemble. Parce qu'on ne peut pas exclure ce que font les chercheurs dans les universités et en même temps exclure ce que font les communautés à travers la médecine traditionnelle. Voilà mon message pour permettre donc peut-être la discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Bassène, pour cette communication. Je voudrais saluer le travail que vous faites à la tête de la division de la médecine traditionnelle au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Nous allons introduire le professeur Alain Jacoba, neurologue et membre du comité d'experts régional africain en médecine traditionnelle. Madagascar. Professeur, en tant que neurologue et membre du comité régional africain, pouvez-vous partager avec nous votre expérience et surtout les défis que vous avez dû surmonter? C'est pratiquement la même question et nous attendons vos réponses en 5 minutes, s'il vous plaît. Professeur. Merci, monsieur le président.
Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de souscrire aux salutations, aux remerciements et aux félicitations de tous ceux qui m'ont précédé, à l'intention de toutes les personnes qui ont contribué de loin et de près à la réussite de ce troisième forum gallien. Et permettez-moi d'emblée de répondre à votre question. Effectivement, en tant que médecin hospitalier, évidemment, face à cette épidémie, il a fallu apprendre à connaître maladie nouvelle, j'essaie de se référer à nos collègues d'abord européens. Ils ne se mettent pas d'accord non plus sur le meilleur traitement. Et puis, quand on essaye de les voir un peu plus loin, les Américains, la situation chez eux était pire. Et c'est comme ça, dans un tel contexte, que nous avons dû faire face à un des plus grands défis qu'on a connus à Madagascar, c'est d'aborder avec un regard dépassionné l'arrivée du COVID organique. C'est quoi le COVID organique? C'est une thérapeutique locale à base d'artémisia et de ravintsara, mais de plusieurs plantes, qui nous a été proposée par le ministère de la Santé dans l'arsenal thérapeutique donc d'une maladie inconnue et sans traitement connu à l'époque. Nous avons déjà l'expérience d'utiliser des thérapeutiques à base de plantes dans notre pays depuis des années. Et nous avons beaucoup de médicaments qui nous sont proposés dans l'arsenal thérapeutique. Mais jusque-là, on avait des traitements de référence dans les autres pays qui nous permettaient d'étalonner ce que nous proposons, ce qu'on nous propose comme médicaments à base de pratiques traditionnelles locales et qui nous permettaient d'éventuellement avoir un recours en cas d'insuccès. Mais cette fois-ci, il a fallu faire face parce qu'il n'y en a pas plus ni de meilleures solutions qu'on a ailleurs. Et c'est ainsi que l'afflux des malades nous a obligés à essayer d'avoir un autre aperçu de cette pratique traditionnelle de la médecine. Et je voudrais parler de la pratique traditionnelle de la médecine parce que c'est ce que nous avons appris, nous avons essayé d'appréhender à travers la lutte contre l'épidémie du COVID-19. Et on s'est rendu compte que finalement, la façon dont nos tradis praticiens soignent est probablement la source d'inspiration de toutes les thérapeutiques modernes contre les maladies réputées incurables. Parce que je ne connais pas, on n'a pas rencontré un seul tradis praticien qui ne pratique pas la polythérapie. Et vous savez qu'aujourd'hui, en médecine soi-disant ultra-moderne, tout ce qu'on fait quand on s'attaque à des maladies incurables ou des maladies réputées difficiles ne passe par une polythérapie. Ça a été inauguré par la cancérologie. Après toutes les maladies virales, vous savez, toutes les grandes luttes que la médecine est en train de gagner se passent avec la polythérapie. On s'est rendu compte que nos tradis praticiens pratique cette polythérapie depuis le temps et qu'il faudrait peut-être qu'on essaye d'aller plus loin dans cette expérience qu'ils ont. Mais cette polythérapie qu'ils pratiquent ont aussi d'autres avantages compétitifs par rapport à l'usage moderne que nous faisons parce qu'elle est déjà basée par une compliance acquise dès le départ. Vous savez, à chaque nouvel médicament, on passe des années à convaincre les gens de le prendre. Vous voyez le débat sur les vaccins actuellement. Eh bien, c'est ce que fait notre tradipraticien.
sont déjà des choses que les gens acceptent d'emblée, et c'est ce qui s'est passé ici avec le COVID organix, qu'on a vu des gens faire la queue, et nous-mêmes, en tant que médecins hospitaliers, on a du mal, des fois, avec les médicaments nouveaux qu'on propose aux malades. Et il y a, en plus de cette compliance acquise, généralement, ce sont des produits dont la tolérance est éprouvée par une pratique empirique séculaire. Et parce que les problèmes qui sont rencontrés, ben, la population les a déjà plus ou moins écartés en cours de route. Et je ne vous parle pas du prix, parce que tous les médicaments modernes basés par ces polythérapies sont hors de prix et inaccessibles pour nous. On s'est rendu compte donc que faire la recherche pour, si nous voulons, en Afrique aussi, pour contribuer à la lutte dans le contrôle des maladies incurables, peut-être que c'est la voie la plus accessible, cette pratique traditionnelle de traitement. Et puisque nous avons beaucoup de praticiens, donc nous avons nos experts locaux, et la faune et la flore nécessaires pour les développer sont disponibles partout sur le continent. Et enfin, on s'est dit aussi que si on peut élever au rang d'une filière agro-industrielle structurée, et c'est tout à fait possible au niveau des communautés économiques régionales de l'imaginer, et ça pourrait être et engendrer un secteur économique tout à fait adapté à nos besoins et tout à fait adapté à nos capacités, aussi bien en investissement. Je passe aux Afro-champions de recherche. Nous avons des universités. Le professeur Rokia vient d'en faire l'inventaire et les instituts d'en parler, que le comité d'experts à laquelle j'ai la chance de participer, on s'est rendu compte qu'on a tout ce qu'il faut, les laboratoires, les capacités de production, les unités de production, les capacités de valorisation. Vous savez, nous avons l'African Standardization Organization, donc on peut valoriser, on peut standardiser. Et en commercialisation, on vient de lancer le marché commun africain. Bref, on peut se rendre compte que nous avons peut-être pouvoir partir de cette pratique traditionnelle et en faire quelque chose d'important pour nous, mais pas seulement contre le COVID-19, parce qu'on peut l'étendre à toutes les autres maladies réputées être incurables, parce que le concept de tous les nouveaux traitements, c'est comme je vous l'ai dit, les polythérapies, et peut-être que nous avons intérêt à étendre aussi cette approche sur ces maladies. Et j'ose espérer en tout cas que nous allons tous nous y mettre et que les futurs commissaires de l'Union africaine, les futurs chefs d'État champions que nous, j'espère que nous allons pouvoir désigner, et non, l'OMS Afro a initié et qui peut être contrôlé et pouvoir répondre à ces aspirations. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci, monsieur le professeur. Moi aussi, c'est une autre perspective. Et venant d'un neurologue, je crois que ça, c'est très original. Et, merci beaucoup. Maintenant, on passe en fait à une toute autre dimension après cette... ces interventions très riches et variées sur la médecine traditionnelle. C'est en fait sur la chaîne d'approvisionnement des médicaments en Afrique, les médicaments COVID-19, avec tous ces défis, mais aussi ces perspectives. Et je voudrais donner la parole au docteur Alassane Ba, qui est le directeur du Centre humanitaire des métiers de la pharmacie en France. Et bien sûr, c'est une question extrêmement importante parce que dès le début de la pandémie, des restrictions d'approvisionnement ont été prises par certains États européens et ailleurs dans le ravitaillement des marchés extérieurs, notamment africains, en médicaments et produits contre la COVID-19. Pouvez-vous partager avec nous les actions menées par votre centre humanitaire et faire des recommandations
pour surmonter ce genre de situation dans la production, dont la production locale de médicaments est produite en Afrique. Si possible, en 5 minutes. Merci beaucoup. À vous. Bonjour, professeur. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bien évidemment, je suis très, très heureux d'être avec vous tous, ce panel de personnalités. Mais je suis également très heureux de pouvoir parler à côté de ma sœur Annette Seck que je vois sur l'écran. Donc, si vous le permettez, avant même de dire l'impact de ces décisions-là et ce qui a été fait et ce qu'il faut faire, c'est juste rappeler un peu la complexité du produit de santé sur lequel on travaille tous. Pourquoi il est complexe? Parce que c'est déjà un produit de santé publique. Qui dit produit de santé publique dit démocratie sanitaire. Démocratie sanitaire, c'est que les États doivent faire en sorte que ce produit-là soit accessible à tout le monde. Et dans le cadre d'une démocratie sanitaire, quel que soit l'endroit où se trouve la personne, quelle que soit ses capacités financières. Mais c'est également un produit économique, puisque tout simplement, c'est un produit qui fait l'objet d'un processus industriel, donc qui est fabriqué et que le fabricant, il a pour vision économique de faire des bénéfices, donc versus vision santé publique. Mais c'est aussi un produit industriel, puisque ça nécessite des processus industriels de fabrication. Donc, ce qui en fait un produit complexe, qui en fait un produit de guerre économique, malheureusement, et on le voit aujourd'hui par rapport au vaccin COVID, où il y a des positionnements stratégiques des uns et des autres, qui fait que souvent on parle même de chantage à des ressources stratégiques. C'est-à-dire qu'un pays qui fabrique un médicament pour un autre, il suffit de dire à ce pays-là, je ne te donne pas le médicament, et donc de mettre ce pays qui est en position de demandeur dans une situation de faiblesse. Donc ça, je tenais vraiment à rappeler la complexité des produits sur lesquels nous tous on travaille, avant maintenant de vous parler de l'impact du COVID et ce que nous avons fait et ce qu'on pense que nos pays pourraient faire. Donc l'impact, contrairement à ce qui a été pensé dès le départ, ce n'était pas des ruptures de stock dès le départ, parce que les pays comme la PNA étaient organisés, avaient suffisamment de stocks pour pouvoir faire face. Mais le premier impact, malheureusement, ça a été la circulation de faux médicaments. On a vu beaucoup de faux hydroxychloroquine, beaucoup de faux masques qui circulaient dans les pays. L'impact, ça a été des dons de produits qui venaient d'un peu partout, sans référence pharmaceutique, sans respect des guidelines, en particulier les guidelines de l'OMS sur le don des médicaments. On a vu beaucoup de dons de produits de santé qui ne tenaient pas compte des besoins des pays. Mais c'est vers vraiment au mois de juin, juillet, qu'on a commencé à voir des ruptures de stock. Et même en Europe, ici, on a commencé à voir des ruptures des anticancers parce que simplement les usines qui fabriquaient les matières premières étaient à l'arrêt. Et comme vous le savez, quand vous arrêtez une usine et si vous repartez, il faut la qualifier à nouveau. Et pour qualifier une usine à nouveau, il faut au moins entre 3 et 6 mois une fois que l'usine est arrêtée. Donc ça, c'est vraiment l'impact du COVID. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. La première chose que nous avons faite avec l'Organisation mondiale de la santé, le département de pré-qualif à Genève, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un système de surveillance de la distribution. C'est-à-dire que tous les produits qui rentraient, il y avait un mécanisme régional avec les laboratoires de contrôle qualité qui étaient pré-qualifiés pour servir de rempart contre les risques d'infiltration de ces faux médicaments. Donc, il y avait un dispositif de contrôle de ces produits-là. Et nous avons mis en place un pont aérien pour pouvoir distribuer des produits pour des pays qui étaient à risque de rupture, en particulier les pays qui étaient en guerre ou dans des zones reculées comme le nord du Mali au Soudan. Mais également avec Expertise France et l'Agence française de développement, nous avons mis en place une plateforme technique de réponse à la crise de la pandémie, mais également comment on fait après la pandémie. Nous avons mis en place des unités de mobile de distribution de ces produits-là dans des zones reculées, comme l'exemple que je donnais dans le nord du Mali. Et nous avons mis quelque chose à laquelle souvent on ne pense pas quand on met en place des unités de riposte, c'est la prise en charge des déchets. Parce que simplement, il suffit qu'on jette le masque, on jette le gel hydroalcoolique quelque part, il y a des risques de recontamination. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un système d'achat de banalisateurs. C'est des équipements qui prennent en charge tout type de déchets, qui les banalisent pour en faire des produits qui ne sont plus toxiques pour les patients.
Donc, voilà un peu l'impact et les mesures qui ont été prises, donc que ce soit des financements OMS, Banque mondiale, FMI, etc. Maintenant, par rapport aux recommandations, puisque j'ai que 5 minutes, je voudrais d'abord rappeler un chiffre avant de parler des recommandations. Il faut, si vous prenez l'exemple d'un produit que nous utilisons tous chez nous, qui est le paracétamol, 60% du paracétamol mondial est produit en Chine. Donc, imaginez juste quand la Chine est en lockdown et qu'elle ne peut plus fabriquer, on n'a plus de paracétamol. Et que la Chine aussi, dans le cadre de son plan qu'on appelle Made in China, il va être le premier ou le premier pays exportateur de médicaments. Mais seulement, il y a aujourd'hui, on le voit par rapport au changement des stratégies où l'Europe est en train de relocaliser sa production pharmaceutique, y compris les matières premières. Les pays BRICS donc, se sont réunis, ils veulent créer un marché commun de fabrication et de distribution des médicaments. Donc, la question maintenant est, quitte de l'Afrique où 90% des médicaments que nous consommons aujourd'hui sont importés. Or, on est dans une stratégie de guerre économique autour de ces produits de santé-là. Et comme je vous disais tout de suite, c'est le chantage à la ressource vitale. Et comme c'est une ressource vitale qu'on ne produit pas, donc évidemment, il est important que nous mettions en place des unités de production. Mais seulement, dans la mise en place des unités de production, il ne faut pas juste dire que je vais fabriquer un produit fini. Parce que si vous n'avez pas des pôles d'excellence qui fabriquent la matière première, qui fabriquent les articles de conditionnement, nous avons les équipements, etc., on ne pourra jamais être autonome, c'est-à-dire se mettre dans une stratégie d'indépendance pharmaceutique pour pouvoir fabriquer nous-mêmes les produits. Donc, nous, ce que moi, je recommande, et je ne suis pas le seul, puisqu'on travaille dans le cadre d'un groupe thématique qui est financé par la Banque mondiale pour des réflexions sur des stratégies d'indépendance pharmaceutique, comment on fait aujourd'hui pour que le patient puisse avoir accès à un médicament avec moins d'un dollar par jour et par habitant. Et donc, on prend aujourd'hui ce qu'on appelle des pôles d'excellence, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui aurait des capacités pour fabriquer des matières premières, un autre pays qui serait capable de fabriquer les articles de conditionnement, un autre qui serait capable d'avoir des équipements, un autre qui serait capable de faire du transfert de technologie, parce que si vous avez les équipements, vous avez la matière première, vous avez les articles de conditionnement et que malheureusement, vous n'avez pas les équipements qui vont avec, vous serez toujours dépendant. Or, ce qu'on veut, c'est éliminer toutes les activités sur lesquelles on va être dépendant. Donc, aussi un pôle de transfert de technologie pour qu'ensemble, nous puissions avoir tous les leviers qui nous permettent d'être autonomes pour pouvoir fabriquer ces médicaments-là. Et ce qui se passe souvent dans certains pays, on l'a vu, on a monté des unités de fabrication. On a pensé qu'à la fabrication des produits finis, on n'a pas pensé à ces leviers-là que je viens de vous dire. Et malheureusement, l'usine, au bout de 2 ou 3 ans, ferme parce que l'usine était dépendante sur les matières premières, était dépendante sur les équipements, etc. Donc, on prend des pôles d'excellence au niveau donc, de nos pays francophones avec peut-être des transferts de technologie avec le Maghreb où il y a des unités de fabrication. Et pour finir, puisque j'ai que 5 minutes, si on n'est plus dépendant sur des matières premières avec un pôle d'excellence qui fabrique des matières premières, un pôle d'excellence qui fabrique des articles de conditionnement, un pôle d'excellence sur les ressources humaines, l'Université de Dakar, dont je suis issu, forme beaucoup, beaucoup de pharmaciens qui sont compétents parce qu'il faut des ressources humaines, un pôle d'excellence sur les équipements, là, on va réunir tout ce qu'il nous faut pour pouvoir fabriquer les médicaments et être indépendants. Voilà, je fais vite parce que j'ai que 5 minutes, mais je reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment cette notion des stratégies d'indépendance pharmaceutique en maîtrisant tous les leviers que je viens de citer. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Dr Ba, pour ce partage des actions que votre centre a menées, mais également pour les recommandations que vous avez formulées. J'ai grand plaisir à introduire le docteur Annette Sekingaï, directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal. Je tiens d'emblée à la féliciter pour l'énorme travail qui a été fait, notamment dans le cadre de la riposte contre la COVID. Docteur, vous aviez mis en place des stratégies d'approvisionnement en médicaments et autres produits pharmaceutiques qui ont eu beaucoup de succès. Pourtant, vous avez connu des difficultés pour vous approvisionner
mais également pour gérer l'afflux des dons et médicaments devant cette pandémie de COVID-19. Pouvez-vous partager avec nous votre expérience dans la gestion de ces approvisionnements, surtout en cette période de crise sanitaire? Docteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je vous remercie de me donner la parole, Monsieur Mbeng. Je voudrais saluer le co-chair également, le professeur Peter Piot, et saluer tous les panélistes. Et à la suite, donc, je viens à la suite du docteur Ba, avec qui nous travaillons beaucoup sur ces questions, et je crois que nous sommes tout à fait en phase. Mon expérience de centrale d'achat, c'est d'abord des constats. La COVID a mis en exergue véritablement les grandes faiblesses de la chaîne d'approvisionnement. Un grand déséquilibre d'abord, avec cette forte dépendance, bien entendu, de l'Afrique à l'importation. Et surtout, en dehors des pays du Maghreb, mais surtout le fait que une faible collaboration entre l'Afrique subsaharienne et les pays du Maghreb qui avaient déjà une certaine longueur d'avance, avec véritablement une importation pratiquement totalement tournée vers les pays d'Asie et d'Europe. Ensuite, un autre constat, c'est cette délocalisation massive, comme l'a dit le docteur Ba, de pans entiers de l'appareil productif du secteur de l'industrie pharmaceutique vers l'Asie, et qui en fait mettait en exergue des géants au pied d'argile qui ont tout de suite montré leur fragilité dès l'apparition de la COVID et la fermeture des frontières et bien entendu cette apparition en Asie. Alors, également, un autre constat, des chaînes d'approvisionnement donc très complexes et fragmentées avec des sites de fabrication d'un côté dans un continent, le contrôle qualité dans un autre continent, les distributeurs de l'autre. Et un quatrième grand constat, c'est évidemment la faiblesse, la faible capacité de production des principes actifs en Afrique, où on a à peu près, je pense, deux producteurs, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Et comme l'a dit le docteur Ba, des grands producteurs, en tout cas ces multinationales, situées en Europe, en réalité, importaient plus de 80% de leur matières premières et tout de suite ont vu leur capacité de production baisser énormément. Et cette crise sanitaire, donc, Monsieur le Président, a été une crise brutale, évidemment sans précédent, avec une vitesse de propagation du virus et une réduction de la mobilité, la baisse des importations, la baisse du trafic aérien. Et puis, comme l'a dit le président, le co-chair, le professeur Piot, des mesures vigoureuses de restriction. Tout le monde voulait les mêmes produits au même moment et par conséquent, tout le monde s'est enfermé. L'Europe s'est enfermée, la Chine s'est barricadée. L'Inde, certes, est un grand producteur, a pris également des mesures de restriction, mais, comme l'on le sait, importer aussi ses matières premières en Chine. L'Afrique s'est retrouvée toute seule face à son destin, et je crois que c'est à toute chose malheur est bon, puisque les tensions de stock venant ont montré également vraiment la résilience, la planification et également l'organisation de nos systèmes de santé et surtout de nos chaînes d'approvisionnement quand même en Afrique. L'augmentation évidemment de la consommation mondiale et un changement subit des modes de fonctionnement des chaînes d'approvisionnement pour devoir évidemment nous organiser. Et le secret, évidemment, de la résilience a été ces stocks de sécurité qui étaient déjà en place. En tout cas, pour le Sénégal, ça a été un peu une de nos forces. Et évidemment, cette capacité également d'essayer de faire des échanges intercentrales en Afrique. Mais là aussi,
je reviendrai sur les difficultés. Dans le monde entier, une autre leçon a été la volatilité des prix. On a parlé tout à l'heure de business. Effectivement, on ne parlait plus de santé publique, c'était un business. On est passé des prix de masques à 2300 francs à 15 000 francs, la boîte de 50 masques, avec des multiples intermédiaires rallongeant les chaînes d'approvisionnement, un surenchérissement des coûts. Et puis, comme l'a dit le docteur Ba, une apparition de contrefaçons aussi bien pour les médicaments que pour les équipements de protection, des fausses casaques, de faux masques, de faux gels même, et donc avec vraiment un déséquilibre et un risque accru d'avoir des produits de qualité inférieure et donc une attention particulière qu'il fallait avoir pour l'Afrique afin d'éviter qu'elle ne soit évidemment le dépotoir. Les défis donc ont été nombreux. Il fallait un accès libre et rapide tout de suite à tous les pays, mais il fallait également mettre en place des approches innovantes pour un approvisionnement cohérent et durable et face à un marché de plus en plus volatile. Il fallait également renforcer cette dynamique d'intégration pour le développement des productions locales. Parce que à un moment donné, effectivement, surtout au niveau régional ou sous-régional, on s'est rendu compte que nous avions des capacités, certes, faibles peut-être en Afrique, mais il y avait quand même des capacités. Mais les canaux de distribution étant tellement faibles, les infrastructures également, que, à titre d'exemple, pour faire venir des produits du Mali, il fallait une semaine, même par la route. Donc là aussi, c'est effectivement de grands défis auxquels nous avons été confrontés et je pense que ce sont des leçons apprises. On a parlé tout à l'heure de pharmacopée et de médecine traditionnelle. Nous avons bien vu que dans les pays, de manière individuelle, des produits et de la médecine traditionnelle ont été utilisés et leur valeur aujourd'hui n'est pas mise en doute, au contraire. Mais toutefois, les canaux de distribution ont été absents et toutes les initiatives ont été des initiatives locales qui n'ont pas été distribuées dans les réseaux, les canaux de distribution à grande échelle. Là aussi, c'est vraiment une leçon que nous avons retenue. Les autorités nationales de réglementation ont été submergées parce qu'il a fallu changer les canaux d'approvisionnement, changer quelquefois les fournisseurs et faire appel à des demandes d'autorisation d'importation qui étaient des demandes extrêmement fortes et auxquelles il fallait répondre par des autorisations de mise sur le marché. Là aussi, il y a eu des difficultés. Les autres difficultés également, c'est le contrôle qualité. Vous savez qu'en Afrique, on a très peu, en tout cas dans l'Ouest et dans le centre, de laboratoires préqualifiés. Et là, nous avons eu vraiment quand même des difficultés d'échange vu la fermeture vraiment des produits. Les capacités de stockage ont également posé des problèmes. Il y a eu, comme vous l'avez dit, Président Mbeng, un afflux de dons avec évidemment des problèmes de coordination parce que ces dons n'ont pas été faits en tenant compte des réels besoins des pays mais des dons totalement standardisés. On donnait la même chose à tout le monde et là, avec vraiment beaucoup de risques de perte et sans tenir compte des besoins réels qui doivent des besoins individuels de chaque pays. Alors, en termes de perspective, nous pensons qu'aujourd'hui, l'Afrique doit véritablement mettre en place, en tout cas, aller vers un leadership affirmé et surtout des interventions coordonnées et transparentes de tous les acteurs, une forte volonté politique et également des engagements de tous les pays pour l'élaboration justement de plans d'investissement et la mobilisation de ressources. Il faut que nous allions vers un accès à des produits pharmaceutiques essentiels de qualité abordable,
vers des démarches concertées pour le renforcement et la pérennisation des systèmes nationaux d'approvisionnement, que nous allions ensemble dans une démarche concertée dans les capacités de production locale, que tous les pays ne fassent pas la même chose, mais que les pays puissent travailler ensemble dans les zones peut-être communautaires, que nous ayons des fabricants qui travaillent pour tout le monde et qu'ainsi nous ayons des unités de fabrication qui soient rentables. Que nous utilisions que les zones de libre-échange continentales africaines soient encore plus dynamiques et que nous puissions ainsi promouvoir le commerce dans les zones inter-africaines. Une priorité également au développement et à la recherche, recherche-développement, on l'a dit tout à l'heure, qu'on mette un peu en exergue aussi notre pharmacopée, la réorientation des activités, je l'ai dit, et la mise en place des infrastructures qui soient des infrastructures routières, des infrastructures aéroportuaires, que nous puissions faciliter les échanges. Nous ne pouvons pas, pour aller au Rwanda, passer par plusieurs pays et avoir 15 à 20 jours de délai pour pouvoir échanger entre deux pays des produits. Tirer également une profit au maximum de la révolution numérique et d'améliorer l'accès à l'Internet. La COVID nous a montré que nous avions besoin de l'Internet, un Internet stable. Les échanges se faisaient de manière virtuelle et c'était extrêmement important dans la rapidité d'action et dans l'efficacité d'action. Enfin, je voudrais terminer pour dire que l'Afrique devrait aujourd'hui montrer à la face du monde les secrets de sa résilience, de la solidité de son système de soins et de des chaînes d'approvisionnement, d'assumer les changements et affronter les transformations structurelles afin d'assurer sa souveraineté en matière pharmaceutique, de saisir les nombreuses opportunités pour capitaliser le fruit des innovations et surtout l'émergence de nouveaux talents. La COVID a montré que nous étions capables de faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes un certain nombre de choses, des respirateurs, des masques, etc., etc., et donc aller vers une Afrique équitable et durable. Je termine par cette citation de l'économiste togolais qui disait que une autre Afrique est possible et ce n'est pas seulement une utopie, l'histoire nous regarde. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Sek Ndiaye. Une autre Afrique est possible. J'aime bien votre dernier message à tout le monde et je crois que c'est déjà fait. Comme dernier orateur, mais last but not least, comme on dit, une voix du Maroc et de Kenitra, le professeur Mohamed Khaled Chouli, qui est le chef du département des sciences précliniques et manager des grandes organisations sociales au Maroc. Et le Maroc aujourd'hui assure près de 60% des besoins médicaments de sa population. Donc ça, c'est vraiment unique. Et pouvez-vous partager avec nous les stratégies et défis d'une la chaîne d'approvisionnement des médicaments performants, surtout dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Si en 5 minutes, parce que ce sera, vous aurez le dernier mot. À vous, professeur Chou. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Et vraiment, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Est-ce que mes diapos sont bien partagées? Vous les voyez, s'il vous plaît? Je ne les vois pas, les diapos, hein? Je ne les vois pas. Les diapos, vous ne les voyez pas. Donc, normalement, ils sont partagés. Je partage encore rapidement, s'il vous plaît. Et là? Oui, ça commence. Oui, voilà, ça y est. Voilà. Allez-y. Là, c'est bon? Oui, parfait. Voilà, en fait, merci à mon ami Brahima Sek, vraiment, qui m'a associé à cet extraordinaire événement, donc ce 3e forum d'Alien Afrique. Et c'est vraiment de par l'organisation... Donc, c'est pas facile, donc, avec quand même cette base, je veux dire, de numérique à distance, etc. Mais surtout par la qualité des intervenants, vraiment, c'est vraiment merci beaucoup pour tous les organisateurs. C'est vraiment une réussite à Dakar.
Et vraiment, c'est un grand plaisir pour moi, avec mes amis, toujours de moi, après Marrakech, Dakar est ma deuxième ville. Et c'est toujours un devoir et un grand plaisir de participer avec mes amis de Dakar. Et vraiment, j'ai entendu la contribution du docteur Annette Seck. Vraiment, oui, une autre Afrique est possible. Et en tant que professeur à la faculté de médecine de Marrakech, mais aussi président d'une ONG Yenda, qui regroupe tous les étudiants en médecine et en pharmacie à Marrakech et à travers le Maroc, nous avons un potentiel humain extraordinaire qui doit véritablement, justement, changer la donne en Afrique et faire de notre continent, oui, donc un continent de véritables possibilités. Vous avez tout à fait raison, que ce soit à travers la contribution du docteur Alassane au docteur Annette. Oui, les difficultés sont énormes en termes de chaîne d'approvisionnement. Et à travers la globalisation et la mondialisation, la crise a révélé encore une fois ces grandes difficultés, parce que le monde est aujourd'hui interconnecté et donc les chaînes d'approvisionnement sont tous liées et vous avez donné des exemples, que ce soit par l'exemple simple de la paracétamol en Chine ou beaucoup d'exemples. Donc aujourd'hui notre continent souffre énormément, donc que ce soit en matière en principe actif ou en médicaments donc déjà confectionnés, oui, notre continent souffre beaucoup et la crise l'a montré avec la fermeture nationale des frontières et que le Covid a provoqué, donc ces grandes perturbations sans précédent dans le monde et qui ont carrément donc impacté ces chaînes d'approvisionnement au cours de cette période. Mais en même temps, je dirais, cette crise, pour nous, c'est une opportunité de revoir notre mode de gouvernance globale dans notre continent. Et vous avez tout à fait raison, docteur Annette, de dire que oui, aujourd'hui, la coordination, le leadership donc, en Afrique doit véritablement penser à revoir la donne, à revoir complètement donc, la gouvernance, je dirais, que ça, sur plusieurs aspects, pas uniquement pour le médicament, mais justement pour le médicament et l'alimentation en matière générale. Il faut, vous avez tout à fait raison, revoir un petit peu la donne. Et nous sommes devant cette grande problématique d'approvisionnement, que ce soit en médicaments et en matériel biomédical. Donc, vous l'avez très bien montré, vous avez donné des exemples concrets. Je ne veux pas revenir à ce diagnostic. Et ça pose la grande question fondamentale de la souveraineté nationale par rapport aux problèmes sanitaires. Et ce n'est pas une nouvelle question, car je dirais pas mal de penseurs, je cite là Saint-Cal, je dirais c'est très ancien, en 1961, beaucoup de cette question de la souveraineté nationale par rapport aux problèmes sanitaires est un véritable problème et malheureusement, on ne tient pas encore le taureau par les cornes et il est temps, à travers cette crise qui nous révèle nos grandes faiblesses et difficultés, qu'il est temps à ce que véritablement la coordination, la collaboration interafricaine prend les choses très très sérieusement et nous avons un potentiel humain extraordinaire à travers des experts, à travers les étudiants, à travers les chercheurs. Et aujourd'hui, on n'a rien à envier à pas mal de pays développés où la crise a été peut-être plus importante, où la résilience africaine a été extraordinaire. Et je crois qu'il est temps à ce qu'on prenne les choses, véritablement par cette question de la souveraineté, par rapport à pas mal de questions, à la prendre très, très sérieusement. Que ce soit en matière de sécurité alimentaire, que ce soit en matière de sécurité sanitaire, et la sécurité de l'information technique, scientifique aujourd'hui, je crois que nous avons des choses, vous l'avez montré à travers les données de la pharmacopée, à travers les possibilités qu'on a en tant que matière, en termes de matières premières en Afrique, nous avons intérêt à faire très attention, à ce triangle-là
de la sécurité alimentaire, sanitaire et de l'information en général, scientifique, technique, de notre patrimoine en général, qui va nous permettre justement d'aborder cette question de la souveraineté en général. Très rapidement, pour donner un petit peu l'exemple de comment le Maroc a réagi, et vous le savez très bien aujourd'hui, je vous donne très rapidement les statistiques d'aujourd'hui en termes de Covid. Nous sommes quand même l'un des pays africains en Afrique du Nord qui a montré donc, je dirais, une épidémie très importante. Nous sommes quand même aujourd'hui à 300 880 cas, avec quand même 6 400 décès jusqu'à aujourd'hui, avec malheureusement en ligne de mire pas mal de médecins, pas mal d'infirmiers, d'infirmières qui sont décédés au cours de cette période depuis le mois de mars. Le Maroc a connu quand même une pandémie très importante donc de la COVID qu'on gère avec grande résilience, avec détermination. Et je citerai très rapidement trois phases, Excusez-moi, professeur Zuli, la session sera coupée dans 2 minutes parce que la prochaine, c'est ce qu'on vient de dire. Malheureusement, je suis le dernier. Très rapidement, oui. Par rapport à cette question de masques, justement, l'industrie marocaine a réussi à se réadapter complètement pour produire nos propres masques au Maroc. Et vous rappelez de la grande crise de masques mondiales qu'on a connue durant le mois de mars, avril, mai. Très rapidement, l'industrie marocaine a réussi quand même à s'adapter très rapidement à produire nos propres masques. Et aujourd'hui, donc, on arrive à produire des millions, 2 millions de masques par jour. Et le Maroc exporte des masques, ce qui était quand même très, très important en termes d'anticipation de la crise. Dans une deuxième phase, et par rapport au protocole thérapeutique, etc., donc, on a adopté très rapidement, et grâce à un comité scientifique national, donc même par rapport à cette question de chloroquine, etc., nous avons décidé très rapidement à utiliser la chloroquine. Et sincèrement, cette anticipation de l'utilisation de la chloroquine qui était dans nos stocks, d'abord de pharmacie centrale, etc., et qui était possible à produire localement, etc. Et pour nous, c'était une décision stratégique très importante qui a permis quand même de bien gérer sur le plan des protocoles thérapeutiques la crise sur le plan des médicaments utilisés. Et dernièrement, dans cette troisième phase, vous le savez très bien, le Maroc a anticipé encore une fois. Et en fait, là, on commence cette semaine carrément à passer donc, au vaccin. Et le Maroc a anticipé encore une fois il a décidé d'utiliser le vaccin chinois que nous avons donc importé. Et en fait, cette semaine-là, donc, le Maroc a commencé donc, la vaccination contre le virus par le vaccin chinois. Décision qui, à mon avis, était très, très importante pour essayer quand même de casser la chaîne de l'épidémie qui, malheureusement, quand même est très importante au Maroc. Si j'ai un message, je veux dire, à la fin, et dommage, le temps me bouscule, si j'ai un message en tant que professeur universitaire, je crois que nos pays africains, plus que jamais, doivent faire face aux enjeux scientifiques et techniques mondiaux. Et je crois que nous avons un potentiel humain extraordinaire, encore une fois, que ce soit en termes des étudiants qui sont un peu partout dans l'université africaine, dans les instituts, dans les écoles, dans nos enseignants, les experts, etc. Ce potentiel humain extraordinaire, à mon avis, il faut que nos gouvernants croient à ce potentiel pour qu'on puisse justement affronter cette question de la souveraineté, donc pas en termes uniquement, je veux dire, de médicaments, mais sur plusieurs aspects qui touchent notre développement de manière générale. Et je crois que nous avons intérêt à travailler ensemble
plus de coordination, plus de collaboration pour justement faire de ce continent africain vraiment une Afrique possible. Et merci. Merci. Merci beaucoup.